Salut tout le monde, c'est Jojol et aujourd'hui je vous présente une application qui vous permet de jouer à la Game Boy Advance sur un smartphone Android. Alors vous avez plusieurs applications de ce genre, et ben moi je vous conseille celle-ci, Jaune GBA Lite. Vous la trouverez gratuitement dans le Play Store. Après l'avoir téléchargé, l'icône va apparaître sur le Sprintboard et la première fois que vous allez l'ouvrir, le logiciel va rechercher automatiquement dans tous vos fichiers des jeux GBA. Alors normalement, vous n'en avez pas, tout simplement parce qu'il faut les télécharger. Du coup, vous allez sur Internet et tapez dans la barre de recherche ROM GBA. On va vous lister pas mal de sites Internet, vous allez ouvrir celle que vous souhaitez. Moi, je vous conseille CoolROM qui roule pas mal de jeux. Par exemple, là, on va télécharger un jeu Pokémon. Le téléchargement se fait automatiquement. On retourne dans l'émulateur de GBA. On va appuyer sur l'icône Rechercher pour rafraîchir et le jeu va se rajouter par la suite. Lorsque vous êtes en train de jouer, vous avez deux types de commandes, soit horizontales, soit verticales. Les boutons pour jouer s'affichent bien évidemment sur l'écran de votre smartphone. Et en plus de cela, vous avez le son qui se lance pour tous les jeux. En ce qui concerne les paramètres intéressants, vous pouvez sauvegarder votre partie à n'importe quel moment en appuyant sur Save State. Il faudra aller dans Load State pour recharger votre partie. Ensuite, dans Préférences, vous pouvez gérer tout ce qui a un rapport avec le son, les boutons ainsi que les graphismes. Et pour finir, vous avez une partie Speed qui vous permet de rendre le jeu plus rapide. Alors pour ceux qui sont fans des anciens Zelda, Mario, Pokémon et j'en passe, je pense que vous allez être heureux avec cette application. Sachez qu'une version payante au prix de 1€ est disponible pour enlever la publicité dans l'application. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur Google+. Salut !